Bonjour. Bonjour, nous sommes journalistes. Plus de 144 000 abonnés basés sur le côté de à travers notre chaîne Congo Live Télévision. Actualité politique, ils allaient beaucoup plus dominer na niveau qu'une union sacrée au Congo. Moi, Namboka, Moïse Katumbi, ainsi que la décision a annoncé candidature en 2023 et il a quitté définitivement l'union sacrée pour la nation. Les autres groupes de soumission concernés justice congolaise à cause de Namboka et Zimbabwe, basons c'est la vie sur moi Namboka. John Numbi pour cause à la jugé na ba Agnès Sala entre autres Liwa ya mon Namboka Chibeya ou à cause de John Numbi zong à Namboka mais aussi trop bien toujours mais concerné justice cour constitutionnelle kuna bayi étudiant ya droit à l'université ya inikin ba cause de la jugé mis cette obas dynamique ba cause de misa ancien premier ministre Matata Ponyo na dossier na ya Bukangalonzo ou ba lobaki ma mikolo tuko le kake la cour constitutionnelle ne peut pas juger un ancien premier ministre mais le lot la même cour est lobby est recevable pour nous juger Matata Ponyo et sengi nae ba juge ou ba ndimi ma rambona ba démissionner na ba fonction na ba mais enfin nous allons parler de cette fameuse lettre oyo Wilingo Mako lobaki gouvernement congolais est allé prêter pour nous rejoindre cette kimia na niveau est de la République démocratique du Congo. Merci, Ndéo journaliste. Avant d'aborder toutes ces questions d'actualité, mon amboka Fabrice Bélin, on rappelle que vous êtes juriste, cadre de l'UDPS, et on est trop bête à me concerner, actualité politique. Avant d'aborder toutes ces questions d'actualité, boni boni, santé politique, il y a République démocratique du Congo. Ah oui, Ndenge Kaka, chef de Mokonzi Nabissou, chef de l'État à Lobaka, République démocratique du Congo, sous son impulsion, ils allaient vraiment dans. Na chemin, c'est-à-dire que nous avons attaqué la République démocratique du Congo parce que nous avons soutenu le président de la République, également soutenir les institutions de la République démocratique du Congo en général. Très bien, vous allez soutenir la République démocratique du Congo en général. Tout le monde concerné l'Union sacrée. Le lot, comme on a Moïse Katumbi, Aziz, il y a l'Union sacrée définitivement, mais aussi il y a lancé candidature en 2023. Déjà, lundi 19 décembre 2022, il y a le congrès où il a confirmé candidature en tant que président candidature tant que président en 2023. Kota la sangouana bino na niveau UDPS boyambi on ndenge nini mais na UDPS to zali na kimia au moni pourquoi mais ngala za na kimia pourquoi na za na kimia mais UDPS ngala zali moko ya UDPS na zali na kimia et ceux qui ndeko mususu ya UDPS akuboya pe kozala na kimia po na ndeko wana a ebayi kosala annonce na media étranger azali soyi candidat en 2023 ezali pe point de vue na e mais de mon point de vue to zali na kimia pourquoi. Le lomoni de Kokatumbi, Azali Jida. Azali Jida. Mais oui, Azali Jida. Azali Ngaïté. D'ailleurs, Moutou a travaillé pendant 18 ans. Atika a considéré le rôle à Jida. Okay. Et yo kan sin de Kouana, a voyé quoi apporter le bisoni. Tozala ki na système, oyo, na linga kobenge la mingi, ba assassin à conscience tranquille. Bah, assassin en conscience tranquille, mon amboka. Oui, tous allés dans l'assassin à conscience tranquille. Pourquoi on a bien avant assassin à conscience tranquille? Au moni, les bokeh à la communauté internationale, les bokeh à politiciens congolais, ou bah mais ça n'a qu'aux amours kanyaka, pour bah qu'on ça la baise au sein de la population congolaise, bah moi là bas allé assassin à conscience tranquille. Très bien. Comment expliquer Ndekoana Katumbi, tous allés qui n'a bah on a Union sacrée, ndeko wana ebayi kotinda ba liste azaliti lelo na ba ministre bazali na kati ya gouvernement oyo ezali ko préparer ma ponomi oyo ye azala candidat mais à ma grande surprise na landi ba déclaration ya ndeko wana na média oyo ezali étranger le rôle à France 24 et non RFI ndeko azali ko s'autoproclamer déjà azali candidat président de la République aussi longtemps. Parti Oyoye. Mais écoutez, quelle vision qu'il a. Le monsieur a dirigé les Katanga pendant ce combien d'années à tirer le ressort de l'autre côté avant de quoi empêcher. Aujourd'hui, les Katanga regrettent l'absence de Moïse Katumbi. Oh là là. Est-ce que les Katanga peuvent regretter la présence de Katumbi?
Katumbi n'a fait construire que peut-être tout puissant Mazembe. Ngai naza supporter ya ya football té, mais ngai naza les acteurs politiques. Ndeko wana naza la vision té. Pourquoi ça la vision té? OK. De un au gomona ndeko alingi komona neti ya Jeraki Katanga akoyipe ko gérer biso République démocratique du Congo. Non non. Écoutez. Question, il y a nationalité congolaise, ils allaient régler dans l'article 10 de la Constitution. Et celle, bah, juge constitutionnel, ou ils allaient cour constitutionnel, bah, vous voyez, bah, c'est la mise sous interprétation. Parce que ce n'est pas, tu te réveilles un beau matin comme ça, ok, il y a France 24, ok, il y a na Congo Live Télévision, et il y a na Zaliawa, il y a na candidat aux États-Unis. Ce n'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe comment? Monsieur Wana, Azali, Naba. Nationalité est allée ébélée. Ok. Et du fait que vous avez la nationalité est allée ébélée, bas poste régalien, il y a République démocratique du Congo, c'est réservé aux Congolais. Voilà, et ceux qui. Non, lobby est l'autre côté. Donc, ça, là, interprétation, il y a article 10, il y a constitution. Très bien. Ce n'est pas moi qui l'a traité peut-être de Jida, mais il faut demander à celui-là qui l'avait traité Jida. Et Ngaï Nazali peut-être qu'on rappelait les Congolais que ce n'est qu'un Jida. Pourquoi il est Jida? Yo, Ozali, naba nationalité, Ozali, un peu, ya mbilinga mbilinga, au royal Kosa, l'annonce Ozala comme président de la République. Est-ce que Mboka na monsieur Ozali poubelle? Lelo yo, parce que Ozali X, Oye na Congo, comme Kosa la Misala, comme Kokabela ba Congolais Mbongo, comme Kopesa ba musicien Mbongo, ba Yembara yo, et une fois on se réveille, na tongo mo roboe, na pe nan Ozala candidat président de la République, na République démocratique. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. D'ailleurs, les étrangers ne peuvent pas faire la politique. Yo le lo so ke na Etazini kuna. Na Etazini ro sa la politique. O bana pe même ko postuler na présidence de la République. Mais le lo moi na mboka Fabrice Belanga yo zali moko ya baïj tout du juriste ou maître avocat ton ko le ba ke Moïse Katumbi azali na nationalité douteuse d'après yo tout ko la mboka ton sala ki appel na bana mboka ba ya ko saliner na union sacrée pour que to défendre l'intégrité ya mboka pour que mboka ke ne liba et liboso bolobela ki nationalité Moïse Katumbi te quand on a annoncé candidature na étant que président national pessimino Il fallait tout fondre la Congomani ba yebaka. Ngai na eko brandi nationalité ya ndeko wana te. Mais question ezali boy. Ba poste ezali régalien par exemple président de la République, to eko pesa sou na étranger te. C'est clair, to koki ko pesa sou na étranger te. Mais nazali ko sa la lision na roloba ete, neti ngai ndeko wabino Fabrice Belanga. Ceux qui n'ont pas postulé la présence de la République. Maman n'a pas été congolaise. Papa n'a pas été congolais. Et n'a pas postulé. Parce que poste on est allé réservé dans les Congolais à 100%. Et les lots, au moment où on a été en Belgique, on a changé de nationalité. Pour la commis belge, on a commencé à postuler au niveau du pays. Et vous allez. Les lots, ceux qui sont en France, ont changé de nationalité. Et Nathan a changé de nationalité. On a postulé la présence de la République qui est française. Et aussi, on a été. Et pourquoi Rabi so na République démocratique du Congo, ceux qui ont eu aux yeux moi nationalité ba PCO et au comico Luka au commandant président de la République. Non, na yo kin de quoi na lobby azali ko ya ko libérer ba congolais. A ko libérer ba en prison, il a une vision forte très déterminée pour la République démocratique du Congo et surtout bilan na ye na gestion ya ya Grand Katanga à l'époque, c'était largement positif. Le même ba Katanga ba ko réclamer parce qu'il est parmi le meilleur gouverneur. À l'époque, il y a Katanga, il a géré cette province pendant 8 ans et 8 mois. Bon. Il faudrait rappeler qu'il n'y a jamais eu de problème dans cette province à l'époque où lui il était gouverneur. D'après les dires de Moïse Katumbi, on est allé mal au journaliste comme on l'avait dit. Je crois à l'époque où M. Oana Zalaki est gouverneur, il y avait 11 provinces. Et dans 11 provinces, Oana, Katanga, Yangomoko, Zalaki, République démocratique du Congo. Ce n'est pas parce que tu as été le gouverneur d'une province et que tu viens généralement ou automatiquement gérer la République. Les Katanga n'est pas la République démocratique du Congo. Et M. Oana, ceux qui, à mon avis, peut-être, a une vision, de même en rôle, limité visionné dans tout puissant Mazembe. Parce que Mazembe, on peut, dans une relation d'information, on peut. Mais en politique, tous les coups sont permis. Les Kouana, le bien, le moins, union sacrée, mais c'est son plein droit. Tant que le moins, union sacrée. Nani a benga ki a ko s'adhérer à l'union sacrée. Hier l'homme est allé malam. Le chef de l'État a benga ki ba politique ça. Non, chef de l'État a salaki. Après avoir ça la rupture na FCC mon amboka bela. Chef de l'État a salaki appelle na ba congolais oyo balingi ba soutenir vision na e. Mais est-ce que aux alliés de ko journalistes
Ce qui vidéo est allé, chef de l'État a bien qui Moïse Katumbi na union sacré. Pourquoi comme ça? Mais pas Congolais, tant bien pas Congolais Moïse avec ça. Ne coexalité. Au moins de quoi on a landé lobi na plateau. À lobi était vision azali comme on a conseillé à l'interne, a conseillé à l'externe, azali comme marché était né singuette. Allons, non, c'est de l'hypocrisie politique. C'est de l'hypocrisie politique. Oh oui, c'est de l'hypocrisie. Non, vous, au niveau de l'Union sacrée, vous ne voulez pas que des gens soient sincères avec le chef de l'État par rapport à Badi Nabon. Ceux qui parlent de lui, Bosolo, pour la bune, ils hypocrisie, tandis que Bato Bakosala, qui j'allais le Koloba, même pas qu'on réunit au Congrès, n'a pas eu parti politique, mais pour qu'on désigne plutôt, allais-je dire, candidat au président, Malamor, à la mort, qui a mis la chambre, on a habité, on a soutenu Félix Antoine Tshisekedi. Mais tant que Bato la vérité, à l'homme, parce que vision, ils allaient vraiment respecter, tu es comme hypocrisie politique. Mais la vérité, c'est quoi? Un monsieur qui se réveille un beau matin comme ça, à l'équipe n'a plateau à télévision et a annoncé candidature, na et n'engue pas messieurs n'ont salé angon na média à Liban, parce que bino ba journaliste et bozali ya biso na mboka. Et pourquoi pas monsieur an ouais qu'on salé annonce na même na Congo Live télévision, il a préféré qu'il nous salé na étranger, net ça évi ba lien à partenariat na baron bazali na yango a kei qu'on salé et na simé qu'on salé yango azolo balisu sur au nom na koya qu'on senga na congrès. Ba investir comme candidat. Mais ça, ça, ça. Mais dans la vidéo, wana malamu, wana a s'autoproclamé candidat président il y a République dans l'élection en 2023. Après, à Egoloba, à Kosenga dans le congrès semaine prochaine, ba investir comme candidat président de la République. Mais je me dis, on est dans quel pays? Soit on a une rose dans la partie politique ou anaté. Un monsieur qui se réveille un beau matin comme ça a annoncé candidature naé. Et après, car même monsieur a joué au lobaïté, semaine prochaine, dans le congrès, dans le parti, dans le investi, candidat président de la République. Aussi longtemps, il m'aura celle déjà autoproclamant. Mais ça c'est quoi ça? C'est de la blague, ça. Il fallait Atikama Seki. Atikama Seki. En réalité, de part à Moïse Katumbi, il y a. Union sacrée, tu m'as bien dit que tu as senti vraiment que quand l'Union sacrée, la politique, la communauté, le lot de départ, il y a Moïse Katumbi. Tu as espéré que moi, je suis départ, il y a mon politique, il y a une source quand l'Union sacrée, moi, je suis en Fabrice Bélan. Il fallait te dire que ce qui est que Katumbi a quitté le bateau et l'Union sacrée. Alors, moi, j'ai un lobby dans le plateau et à France 24, assis à l'Omoa Bandakala. D'ailleurs, parti en Décoana, ils ont combien de députés? Ensemble pour la République, c'est un parti politique renouvellement créé. Ministre Nakat, Azana Bangote comme parti politique. Exacté. Mais ce rôle va peut-être plateforme naïe. Mais Nakat, c'est la plateforme. Et Zalina Batou, il va dans la partie politique Nabango, et Vivaka déjà. Et où même les collègues, même, il y a Ndekoana. C'est-à-dire, Ndekoana a l'homme comme individu, Nakat, c'est l'Union sacrée. Mais moi, j'attends voir. D'ailleurs, il y a un plateau, Nabino, Naïb Sakabino. Dans 4 réunions sacrées, ce qui Katumbi à Kolomwa, le ministre va démissionner. Combien de ministres va démissionner? Mais c'était hier qu'il avait annoncé sa départ au niveau. Oh là là! Mais il a fait. Il a fait. Écoutez, mais c'est le journaliste. Asali annonce Naye comme président et à parti politique Yaye. Et non comme responsable et à plateforme. Il y a Oyetinde Bangoba dans le gouvernement. Asali Bongote. Parce qu'il y a un parti politique qui a des Kouana. Azali n'a député, ni député provincial, ni mandataire, le rôle plutôt dans la territorial, azuité. D'ailleurs, monsieur Anasalomwa, déjà dans l'Union sacrée, Bandakala. Parce que bisoto lingara, hypocrisie. Quand on est à l'Union sacrée, quand vous faites du bien, on va vous soutenir. Et quand vous faites du mal, il faut dénoncer. C'est ça l'Union sacrée. Mais monsieur Oana Azali, na politique qui a une politique criminelle. Parce que Oza Oana, Oza Kozoa Mbongo, et après, aux Ozonga, pour ça, la rétropédalage, pour Naroloba, j'ai conseillé en interne, j'ai conseillé à l'externe, et il y a moi, Aponine, là, ok, nous, ça, l'annonce, dans le Liban. Mais il n'est pas que postulé en France, c'est qu'à ça, là, qui annonce, dans l'Iran. À ça, là, a postulé dans l'élection en France, et vous allez appeler malade. Très bien, moi, Namoka, Fabrice Belen, en tout cas, on a toujours le sujet à Moïse Katumbi, là, non seulement que. Dans l'intervention, il y a annoncé qu'il départ dans l'Union sacrée, mais aussi candidat. Il y a BTS Massolo concerné la situation sécuritaire, il y a l'Est de la République démocratique du Congo et que l'Est de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire est vraiment chaotique. En regardant aussi sur le terrain, la situation ne s'améliore pas depuis.
pas mal de démarches, chef de l'État, en Tamaki pour que Kimezo Makuna, tout le monde a qui récemment, il y a eu de pourparler au niveau de Nairobi, il y a eu fait de route, il y a eu de Katikuna, côté là, l'élo SRU, nous avons du Congo, rien ne marche, malgré Bambela, Batébele, même au niveau États-Unis, agression rwandaise continue toujours dans l'Est. Il n'y a pas trop de jours, hier même, le 1-23, peut-être que ce massacre qu'on a au niveau à faire descendre à Routour. Qu'est-ce que ils ont ça là que est la République démocratique du Congo qui nous ont totalement témoin en Boka. Mais est la République démocratique du Congo n'importe quoi le bas Libanais. Tozalina ba assassin à conscience tranquille. Pardon? Monsieur Tozalina ba assassin à conscience tranquille. Ok. Monsieur Katumbi va poser question dans Maïmatali est la République. Est-ce que Boyoka Katumbi a cité le pays Rwanda comme un pays agresseur en Abissou ? Est-ce que vous avez dit ? Azapé ! Azali Koloba, ceux qui ont commis mon konzi, n'ont pas plénifié. Non, non, ils ont plénifié les alignés. Tout ça, dans le système de relations internationales, dans les relations internationales, les États, les pays, et collaborateurs, dans les relations internationales, diplomatie. Et ce qui dit diplomatie, ils ont plaidé. Tous les plaider cause sur le plan diplomatique et ceux qui te localité sur le plan diplomatique te causons en interne pour tout ça là peut-être plao et rosala militaire mais Ndekoana Oyo Azali soi-disant candidat président de la République Oyo Azali soi-disant na vision pour la République mais Atikali nullement qu'autant pays agresseur y a est la République et moi je me pose la question. Vision oyo ndekoana azali na yango ezali vision ya redévelopper parti politique na ye to ezali vision redévelopper République démocratique du Congo parce que monsieur wana atikali pas même kota na pays agressé parce que ngai na ajoutera même Uganda va agresser Arabie sope na kati mais ndekoana Katumbi atikali ni kota na Rwanda comme pays agressé ya République démocratique du Congo azapé na question wana non non biso to zali ba congolais to zali na éveil patriotique ba to ya bongo to koyi koti ke la bango chance ata mukolo moko te na question na eso ki ya maponomi o azali candidat ce n'est pas nous bo la ta pe responsabilité na IDP cité parce que gardien ya constitution ezala ka juge constitutionnel c'est le juge ba juge nde ba kota la article 10 ya constitution et lobinini. Et Bangonde va pouvoir interpréter loi wana. Bah côté à l'empêche loi électorale ceux qui écolobanini. On a écouté ma candidature bisoté. Parce qu'il n'a pas envoyé que ça l'annonce. Il n'a pas envoyé la candidat président de la République. Que ça l'annonce dans la télévision. Ils allient élo comme ceci. Que se faire élire comme président de la République. Ils allient élo comme ceci. Et confirmation. Il y a ceni. Il y a un résultat. Dans cela il y a il y a cour concessionnelle tourne à justice et Zalipé et l'or comme ceci. C'est-à-dire, au Rosa l'annonce, au ceux qui n'a publicité d'annonciateur, ceux qui est sili et peut-être au monde à candidatine, non, ils ont parce que comment ils allaient pour belle thé, là où tu te réveilles un bon matin, tu viens et moi je vais faire ça. Non. Très bien, mon amour, mais sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, la situation est vraiment chaotique, il n'y a pas des améliorations malgré l'effort de la Mboka. Ils allaient toujours complot à la communauté internationale ou bien le chef de l'État il est bloqué sur le plan interne pour que Kimezo en va partir ou ils allaient infiltrer les millions de personnes de temps en temps. Mais les lots, au moins, ils sont en opposition ou ils allaient qui est en train de Baloba na ba media na bino na Liban na kaka ndenge ba mesana ko kende ko sala ba concert na ba media ya Liban parce que ba media ya Liban na ezali ba media un peu crédible ke ya biso awa et ngai lo ke comme ça selon bango mais selon bango parce que bino pe ba journaliste boutique la bango tant tant wa ke ikuna boko rele bino ko na bango a po nani parce que ezali sabotage bango ba sa non ko reconnaître bino te ba sala ki na opposition ba sala ki ba annonce na ba TV5 ko lo ba été donc créer insécurité dans l'Est de la République, ben investisseur boyebi bango basalaki et ce qui a salipé annonce kuna boyebi bango. Le problème aujourd'hui est que chef de l'État tozali na bitumba oyo ezali ya assassin à conscience tranquille parce que na katuana ezali communauté internationale azali communauté internationale wana azali ko alimenter Rwanda et Rwanda azali ko alimenter RDF
M23. Parce que les lots comme on a par exemple M23, Mandoku Azali Kozoana, Azali Koutawapi. Azali Koutana Rwanda. Et les lots comme on a Rwanda, Mandoku Azokamo Utawapi. Rwanda et Utakaliban. C'est-à-dire, les lots chefs de l'État Azali na question et il y a diplomatie, parce que la diplomatie, ce qui est limité, mobilisation et armée, tu vois, bah, ça, là, peut-être au prochain jour, tu vois, bah, ça, là, bah, canon, moussousou. L'élo est et la République, et qu'on a la pacifié. Mais problème, Azali, chef de l'État, Azali, Kobundana, bah, homme d'affaires. Chef de l'État, Azali, Kobundana, bah, homme d'affaires. Bon, on a Rwanda, là, Rwanda, t'es. Non. Derrière les Rwanda, il y a la communauté internationale. Mais la même communauté internationale a dénoncé. Azali a dénoncé Nini. Azali a rendu Batou Azali assassin à conscience tranquille. Mais pourquoi toujours continuer avec la diplomatie tandis que nos frères et sœurs sont toujours victimes dans cette diplomatie de la communauté? Moyen de changer option sous ces alités et autant que mon cœur baï politique qui a revu démocratie. Option Azali Boy. Chef de l'État, à cela qui concert diplomatique, il y a pour dénoncer Rwanda comme pays agresseur. Et Lélo, Dieu merci, au moment dans un conseil de sécurité à ONU, bah, il y a que Rwanda est un pays agresseur. États-Unis, il y a que Rwanda est un pays agresseur, il y a RDC, malgré bah, il y a toujours bah, assensé à conscience tranquille. France, bah, il y a, mais ce phénomène est Ali, donc il y a peut-être une branche où il fallait tout changer. Donc, il y a une option Rosala, peut-être que tu as changé de données. Parce que les lots, on a même la guerre, il y a Russie-Ukraine. Guerre, on a les alliés. Russie, a zone, n'est-ce pas là à l'époque. Mais les lots, les États-Unis, la moyenne de sommet, on a déclaré que non, ils ont que le retour en Afrique. Tout à fait. Mais retour, ils ont été nuls. Trois résolutions avantageuses pour l'Afrique. Oh là là, et c'est eux, mon ami américain, ils ont été nuls. Américain des bazar bon bazar ne siko batia akimiate bazar ne siko batia akimiate lelo bitumba ya Russi na Ukraine au romona il y a les Américains derrière les Ukrainiens. Très bien. Mais bazali ko bimate bazali toujours ko se camoufler. Donc ce sont les assassins à conscience tranquille bazali ko boma mais bavani na bango kimia et bazali ko ya kokosa. Mais du fait que chef de l'État a bimisi bango a démasqué déjà bango. Donc, c'est la option. Parce que les logos sont aux États-Unis, ils sont partenaires, ils sont fiables pour nous. Pourquoi tu es bien? Ils sont là pour nous. Ils sont là pour nous. Ils sont là partenaires à RDC, mais RDC est un régime de notification. Or, régime de notification, ils sont déjà sanctions. Ils sont sanctions. Dans le droit international, ils sont sanctions. Comment est-ce que tu es notifié? Tu es notifié tel, ils sont là pour nous. Po bango bayeba mando kiwana ba somba o ezali makasi ko lekabiso to somi po ba armé ba M23 ba groupes armés o bazali ko créer du jour au jour pour na kozo ba intérêt na biso ezali na ressources naturelles. Non, ezali phénomène ya mabé. Cette fois-ci to kotale la bango et net chef de l'État lingi so ba magui na bango anate ce qui ba yo kité et on verra où tracer le chemin parce que Afrique, tu as commis un peu dans l'éveil. Afrique, tu as commis dans l'éveil. Tu as ligné sous colonisation et les Européens. Parce que les Européens ont une politique qui est mauvaise. Les Européens ont besoin de robots en Afrique. Ils ont exploité Bissot. Ils ont l'exploitation de l'homme par l'homme. Ils ont été assassins à conscience tranquille. Et l'Afrique, comme ils se réveillent, au moment où ils ont été réveillés, ils ont été réveillés. Ils ont été réveillés. Ils ont été réveillés. Ils ont été réveillés. Ils ont été ba européen yo so bozo ngali pa ina bino et ba asiatique boya parce que franc ils allaient voyer ils allaient ko kené bon et là par exemple comme on a Mali a kei ba Burkinabé ba ngwana ba kei et nini kozanga en République démocratique du Congo tozo ape ba ngolo ko la ba chinois tozo ba ris soit tozo ali sou ba pays yo ezali tout autour ya Asie ba pays asiatique parce que ba ngo bazali un peu na politique ya malam. Mais les Européens, c'est un peu. Très bien. Continent d'Afrique, ils allaient au Koufa pour l'Europe. Très bien. Continent d'Afrique, ils allaient au Koufa pour l'Europe. Pour les animaux, il y a mon amour Fabrice Belang, il y a mon amour Yavaï de Pes, il y a mon amour concerné politique, il y a la République démocratique du Congo. Mon amour, il y a toujours mon concerné justice, il y a mon amour RDC, il y a mon amour Zimbabwe, il y a mon amour Jeune Noumbi, parce qu'ils allaient vraiment à mon amour Belang pour répondre à la justice congolaise. Est-ce que
bakozum sa mwana mboka John Numbi na niveau arbitre no kachini pomo na motuna wana na ebi bakozongisa parce que tozali na na système judiciaire oyo babenga ka tosala collaboration bakozongisa e mécanisme nini o RDC au temps en place pour mécanisme oyo il y a beaucoup des exilés politiques au bazonga te par rapport ba acte ba sala na république démocratique du Congo mais ceux qui ont moni bongo ba exilés politiques Ndeko John Numbi azali exilé politique, il est recherché à la justice. Ndeko wana a se soustrait dans forces armées. Et Ndeko wana azali n'importe qui parce que azali azalaki moko ya armée na biso. Et Ndeko wana na dossier au Itali défend Floribert Chebe, archiviste des droits humains et à droits humains wana. Ndeko wana azali cité. Et du fait que Ndeko wana azali cité système y a extradition, c'est-à-dire justice congolaise nanzela y a FARDC tout nanzela y a auditorat général y a République et ebaki ko comme la ministre y a affaires étrangères yende à transmettre un message wana ba extrader ndeko wana aya po asamba justice ezali ko luka ezali bisote c'est-à-dire le roi bazali ko luka aya ko samba o komona ndeko wana Azali ko beta mboka tout justice on Israël après 4 ans bando ko luka mwana mboka John Numbi to ezali ka pene election ba la musa de ce se bele pour que makamu sala ko la côté ya election avec justice ali boye zone si boye mwana mboka Fabrice Belanga non moni na na constitution ya république justice et ça la kamusala o etali bango ba tu ya justice et du fait que bango bazali ko sala musala boti ke bango sala indépendance et ceux qui ba juger que non to za na posa ya des côtés pour toi avancer procédure moi je ne vois pas les mal mais ceux qui basaient n'a pas ça n'angai n'a pas n'arrokéné et qu'est-ce qui fait que yo ceux qui justice basaient n'a pas ça n'ayo au Kimi ok il n'a payé monsieur sous là tu marches bonnement mais tant au justice n'a pas ça n'arrêter là il y a pas de problème non ceux qui basaient n'a embêté la justice vas-y régler avec le juge devant le juge au Kosamba et ceux qui aussi au Kosamba ceux qui basaient innocent aux hommes en Kim et ceux qui aux allus se reprocher dans quelque chose et on m'ont dit bande quoi dans Kim mak mais ils n'ont pas affronté justice pour n'aibi dans un licambona justicité est-ce que justice n'a pas su former Zali et Zosala Moussala le ring est signé Belto Bazali manipulé sur du côté politique pour que Moussala Salam le ring est signé Belto parce que tout comme on a moi récemment il y a un juge qui a été démissionné dans la fonction étant que juste parce qu'il a subi de pression d'un homme politique puissant, en même temps il est avocat. Quand il y a un acte à bon niveau de justice, est-ce que moi, je suis un homme qui a été nommé à la loi de l'Union? Non, je suis un homme qui a été nommé à la loi de l'Union. Devant le juge naturel, il y a haute cour militaire. Il y a un homme qui soit commissaire à l'époque, c'est-à-dire devant haute cour militaire. Et Koloba était un avocat menace, avait peut-être menacé les juges. Nazali tout à fait d'accord parce que ceux qui ont été avocats ont été menacés JGT. Les contraires, c'est les juges qui arrêtent. Parce que les lois de la pratique ont été comme on a. Ceux qui sont même dans le parquet général et la République, un avocat est censé d'entrer au cabinet du juge ou d'un magistrat avec sa toge. C'est-à-dire, ceux qui ont été toge au côté d'un cabinet à. Il y a magistraté. Okay. Donc c'est reconnu. Et du fait que cela est reconnu, avocat a été censé avoir la toge naïe. A la tienne au malam, il y a côté dans le cabinet, à juge dans le cabinet, à magistrat. Ils allaient pratiquer. Mais Koloba était avocat, ils allaient menacer un juge, et ce n'est pas un n'importe quel juge, en tout cas, ils allaient condimater. Ils allaient condimater, et vous allez malam, juge Johanna. Après ça peut-être ma preuve bon nazali peut que j'étais ceux qui avaient ma preuve il y a que à étaler ça à la justice conseil supérieur et magistrature ezali wana on va interpeller le juge et na niveau ya barreau ba ko ba peut que ben avocat parce que moi je ne pense pas un avocat a menacé juge vraiment c'est inconcevable. Très bien, mon amour, Fabrice Belenga, tu continues à mettre un dossier concerné M23. Tu comme on a un compte Twitter, il y a porte-parole, il y a M23, pour ça la déclaration, il y a Koloba qui est gouvernement congolais, il y a un procès qui nous a STT suite à mal
prise de décision au niveau du gouvernement ou pour respecter la procédure de la bonté, pour est la République démocratique du Congo, ce qui le gouvernement respecté par accord n'a été. Est-ce qu'il y a eu des accords où le gouvernement signé le M23 au Togo, comme on a dit, où l'ingo m'a continué pour le bar. Non, accord à Zali Kolobela, et Zali question, et à cesser les faits, et à Nairobi. Il y a un peut-être. Abaniko expliqué le processus, il y a ministre, mais à Luanda, où est-ce que le 24 novembre Non, mais ce sont des terroristes. Est-ce que Yokan ici, un terroriste, peut coopérer avec un gouvernement en place? Ok. Attends, le soke, il y a les États-Unis. Est-ce que le terroriste va coopérer avec un Américain? Même si ce sont les Américains, soit ce sont des Iraniens et tout qu'on sort. Bah, on va coopérer. Maintenant, Mais les locaux, on a par exemple l'auteur Ozalana pour parler à Kenya. Pas de retombées positives pour la Non, retombées, Ezali Ndeko. Question Ezali, rebelle Oana, to groupe Yaba terroriste Oana, RDF, M23. Bango ba ba ko attaquer position ya FARDC. D'ailleurs, je crois porte-parole ya armée à Salaki ba révélation lobby a dénoncé bisika oyo armée rwandaise ezali déjà na retour. Et bazali ko préparer ko ça la carnage na ba ndenge ba mesani. Parce ba alerter déjà monde entier. Malgré bazali toujours soutenir na ba assassin en conscience tranquille. OK. Je sais to comment na souka. Parce que souka peut-être ko za la et ko senga to ko ta na Rwanda. Parce que tous les gens, ceux qui sont allés au Togo, nous autres là, pour mourir pour la République démocratique du Congo, moi je n'ai qu'un seul pays, qui est la République démocratique du Congo. Et nous avons une nationalité moussoute, nous avons une nationalité moussoute. C'est-à-dire, le soi pour nous défendre le territoire congolais, je le ferai sans problème et sans pitié. Mais dans le miso, il y a M23, n'a pas lié na bango tout ça il faut mettre bango en garde parce que écolécaté ils ont beaucoup tué les Congolais et terroristes qui continuent à narotique à bango babo mamba Congolais pour ba ressources naturelles na biso. Très bien, mon amour, Fabrice Belanga, tu comme on a souhaité émission, mais tu vois aussi ces émissions, tu sais qui te bêtis de ce qu'on a concerné ma tata pognoté à niveau il y a cours constitutionnel, le même cours qui était dit hier, qui n'est pas à mesure de juger un ancien Premier ministre, le lot, même cours est déclaré sous recevable, il faut juger Matata Ponyo. Autant la mille, il y a deux semaines, Matata Zali, deux semaines, comme il politisait, ou bien, il y a un sera à Matata Ponyo, parce qu'en 2023, il sera candidat. Plus loin encore, ancien, il y a faculté à droit à niveau à Inekin, c'est un juge au Balobi. Le seul matin pour les aller recevoir, il faut pas démissionner dans la fonction avant tant qu'il va juger la cour constitutionnelle. Oh, ancien a droit à inikin. Mais ça c'est quelle loi encore? Ancien a droit à inikin. Le juge en question n'a pas respecté la loi ou bien procédure constitutionnelle parce que le même cours, le bagui qui est en possibilité. Et Zali Bafantir, ce sont des gens camouflés sous Matata Ponyo. Bien donné Kalouba. Oh. Mais ce sont des gens camouflés sous ma tête en pognon. Comment expliquer? Quand on a dit que le caméra est un agent camouflé sous Félix Antoine Tshisekedi, moi, j'ai là. Dans mon lit, au toucher, il y a deux points pour moi, Makasi. Il faut tout expliquer. Ma tête en pognon, Azali, je crois, Boyama, na plateau Nabino, na Pesara, Avina. Ma tête en pognon, Aza, redevable devant et justiciable devant la cour concessionnaire. Déjà, on a répondu à ma question. Mais question est Ali Boué. Au moment où l'influence politique, Mbongo influence ça. Parce que l'homme congolais a un homme vraiment intègre. L'influence politique, Mbongo influence ça. Oui, Mbongo influence ça. Parce que l'homme congolais a un homme intègre. Comment expliquer au moment dans la constitution, cour concessionnelle, Ezali wana pona koyeba ko juger le président de la République en fonction, na premier ministre en fonction. Ezali biloko yo FCC aeba ko préparer yango parce que aeba ka ekosuki la bongo. Et leloko ya pe koloba ete Matata Ponyo aza redevable devant la même cour. Ezali un peu compliqué. Mais comment expliquer la même cour le bas qui est à la mesure jugée? Non, tous allés dans la procédure pénale. Ok. Tant que mon bébé est lobby,
la cour est compétente il y a pour juger le premier ministre en fonction et le président de la République en fonction. Très bien. Ça, c'est la compétence de la cour. Étant au cours où on est allé compétent, dans le moment où on va aller en fonction. C'est-à-dire, cour où on est allé nasser à cour concessionnaire, où on est allé compétent à reconnaître Babi Nabango en fonction, et déléguer Bango peut-être dans la cour de cassation pour y aller. Non, non. Devant la même cour, pas qu'on crée juste une chambre et qu'on juge l'ancien président de la République, l'ancien premier ministre. Très bien. Mais les lois, comme on a dit, il y a un matin tamponio, et comme il y a un peu moins de billing. Il y a un peu de niveau de camp politique. Il ne peut pas être un candidat potentiel en 2023. Donc, là, on a 2018. En 2018, IDPS, tu as l'air qu'à IDPS. Mais tu es bien pour gagner ma pononie. Chadari. Sous force, vitale. Quelle forme, quelle force. Force et anani. Est-ce qu'on peut se faire un faiseur des rois aussi longtemps que toi-même, tu ne te fais pas un roi? On a passé un peu, un peu vite. On découvre, non, Azali super congolais. Parce que dans la Constitution de la République, Mibeko et Lobby, aucun Congolais n'est au-dessus de la loi. Très bien. Alors, vous voulez me dire que non, Matata est au-dessus de la loi parce qu'il fit l'ancien chef du gouvernement. Mais non, ce n'est pas normal. Question à faux débat. Aux juristes, peut-être étudiants, au Bazali, au sein de la magie, démissionné. Ils ont avis scientifique. Ils ont avis scientifique parce que, au Union Européenne Sarabiso, dans l'université, ils ont une application dans le parquet. Ça, on ne peut pas le dire. Ok. Ma pratique, ils ont vivre dans le parquet. Ils ont pratique, tout ce qu'on vit dans l'université, ils ont une super courte. C'est-à-dire, quand on est à l'apprentissage, il y a ce qu'on peut apprendre. Et quand on pratique la chose, il y a ce qu'on peut faire et il y a ce qu'on ne peut pas faire. Et ça, par exemple, au moment où on allait étudiant, bah oui, ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Là, tu es libre. Mais quand tu deviens avocat, au prêter serment, et ça, un avocat ne peut pas faire ça, il faut peut-être l'année là. Déontologie, au moment où on allait étudiant, il y a une limitation. Très bien. Alors, ancien, juriste, étudiant et inikin, bah oui, qu'au sein à Nabajige rétabli par la loi, bah il va qu'on démissionner pour et qu'on s'aille m'appeler. Ils allaient car comme moi, maquiller les morts bâtiers, ceux qui besoin moi Kanya Kanasima Matata Mponyo, parce que moi je ne vois pas, il n'est pas au-dessus de la loi. Matata Mponyo sera jugé ici au Congo, à Zalikola Mobé côté. À moins que vous changez constitution, il y a des super Congolais qui sont au-dessus de la loi. On a regardé les sources d'émission, mais tant que Congolais Nyoso, Azali Nasia Mobeko, Matata Tamponyo n'est pas un dieu pour lui faire Badie Nyoso Bazo Sale Lae, Nababez Nyoso Oloba Loba. Très bien, mon amour, Fabrice Belanga, tu as mis sur l'émission plus de 144 abonnés, Bazas Kotcho Otala. Le message Nini, où il a lancé la population, pour qu'on doit travailler notre chaîne Congolais de télévision. Message n'a pas ça. Et ça l'a peut-être n'a pas si Congolais Nyoso n'a souhaité Bino, mais Hervé. Tout ça, c'est qu'on est déjà dans le souk à Yambou, là. Nous avons abatté la bino. Si on a eu un exalit dans l'Est de la République, nous avons eu un bino, qui m'a payé au quota. Et tout ça, c'est qu'on s'est préparé pour le lancement de la campagne, ou bien le lancement de l'enrôlement, de l'électeur, pour qu'il ne soit pas enrôlé massivement. Parce que ma ponomi est allé, quoi. Et, Nathan, où est ma ponomi? Si vous votez, vous êtes capable. Si vous votez, vous êtes capable. Après, sur la cantine, après, sur 5 000, vous votez. Vous avez sa chance dans la jeune pour un renouvellement de la classe politique. Très bien. Si vous avez déjà 45 ans, vous avez un bazalara. On dirait que vous avez comment héritage dans la jeune. Vous avez un député, vous avez un ministre. En tout cas, vous avez un peu de chance. Vous avez sa chance dans la jeunesse. Pour nous le renouvellement de la classe politique, il y a pour faire confiance au chef de l'État. En 2023, le mandat est en train de se faire. Il y a un ordre. Il y a un assassin de conscience tranquille. Assassin à conscience tranquille. Très bien, Mme Boka, Fabrice Belanga, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à travers notre chaîne Congolais Télévision.